Alain Théo, de la gloire des années 90 à millionnaire, les révélations inattendues. J'étais millionnaire, en francs bien sûr, mais c'était incroyable. Je n'ai pas une culture de l'argent. Honnêtement, j'ai été très raisonnable. J'ai acheté une maison et une moto d'occasion. Par contre, j'ai autoproduit mon deuxième album tout seul. Je n'ai pas mis tout mon argent, mais j'ai mis beaucoup d'argent dans cet album. Juste après le succès d'Emmène-moi, ma situation financière a pris un tournant inattendu. Je me suis retrouvée à payer 65% d'impôts. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas vraiment. Le record, je pense, était de 300 000 francs.